voulez que je vous raconte une histoire? C'est l'histoire d'un mec qui se fait draguer par une fille et qui s'accroche à la fille. Il la lâche plus. C'est amusant, non? La nymphomane et le picoleur, ça s'appelle. Je suis pas un mec à boire du champagne, moi je suis garagiste. Et un garagiste, ça boit de la bière. On la voit, la bière, dans tes yeux. Moi, quand je regarde tes yeux, je vois uniquement tes yeux. C'est l'histoire d'une femme qui vient récupérer son bien. Elle t'a tout pardonné, Robert. Elle attend que tu lui tendes la main. Tu vas pas refuser de lui tendre la main? C'est l'histoire d'un homme qui donne la main à une femme. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Un sourire. Ça fait des années qu'il s'est envolé, mon sourire. C'est une histoire de bagnole? C'est l'histoire d'un mec qui revient! C'est mon fauteuil! T'as le droit de baiser ma femme, mais t'as pas le droit de t'asseoir dans mon fauteuil! C'était réconfortant le soir quand je rentrais de le retrouver dans son fauteuil! Tu vas taire ta gueule, oui! Est-ce que tu vas taire ta gueule? Parce que moi, je peux t'en mettre deux! Une à gauche et une à droite! C'est comment la tendresse déjà? Bah, c'est par exemple quand on se sent désarmé. Devant quelqu'un. Alors c'est une histoire complètement conne, hein? J'aurais pu lui piquer sa valise, sa montre, son portefeuille. Il sera aperçu de rien. Toutes ces économies de garagiste. Une cinquantaine de briques. C'est une histoire avec laquelle il ne faut pas trop s'occuper ni des valises, ni des détails matériels.